On rappelle bien que le relief influe sur les zones protégées et les zones où les phénomènes d'accélération de vent sont plus soutenus. Donc le relief n'est pas toujours qu'une protection. Voyons ce passage par l'ouest du département. Alors en général, le cyclone arrive du nord, descend droit vers le sud. Les premières régions touchées seront les régions nord du département, puis ce sera les régions nord-ouest de l'île, puis l'ouest, puis les régions sud-ouest. Et ensuite, donc, le cyclone s'en va. On s'aperçoit que toute la région est de l'île reste à l'abri. On refait un passage un petit peu plus rapide, une petite simulation plus rapide de ce passage par le nord. Alors, il y en a quelques-uns qui viennent comme ça. Des fois, ils viennent même de la côte ouest de Madagascar. Bon, c'est beaucoup plus rare quand même. On regarde le passage par le nord. D'abord, les régions nord, ensuite les régions nord-ouest. Les flèches vous montrent bien les régions touchées, puis l'ouest du département, puis le sud-ouest. Et les vents faiblissent et le phénomène s'évacue.